Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christelle Nice, coach sportif, professeur de yoga. Et dans cette vidéo, je te propose de faire un petit enchaînement que tu peux faire soit le matin, soit dans la journée. Le but quand même d'avoir le ventre vide au moins 2 heures après le repas. Cet enchaînement que je te propose va te permettre de renforcer ton corps, de travailler l'ouverture, tout ce qui est souplesse des articulations, souplesse aussi musculaire, et ça va te donner de l'énergie. Assure-toi bien sûr d'avoir suffisamment d'espace chez toi, une tenue confortable, pieds nus, de te débarrasser d'éventuels bijoux qui pourraient te gêner, d'avoir une tenue bien sûr confortable et un tapis de yoga. Assure-toi aussi d'avoir l'autorisation de ton médecin de pratiquer. Je te donnerai un maximum d'indications pour que tu puisses travailler en sécurité. Je te retrouve sur le tapis. On va s'installer au sol. Hop. On va venir mettre l'étranchant de nos pieds sur le tapis, hein, en contact, pieds flex si possible, de manière à ce que tes pieds se retrouvent sous les mollets. Puis tu vas venir prendre une fesse après l'autre de manière à bien retirer la chair des os pour ressentir les deux os, ce qui va te permettre maintenant d'étirer la colonne vertébrale. On ouvre légèrement la poitrine, les épaules vers l'arrière. On va venir mettre les mains au sol, sur les genoux, et on va venir faire les respirations. Dans cette petite routine, je t'invite à respirer uniquement par le nez. C'est cette respiration qui va te permettre d'avoir un maximum de chaleur à l'intérieur de ton corps. Si tu n'y arrives pas, ouvre la bouche, hein, voilà. Mais dès que tu peux, soit lorsqu'on sera dans des postures, ferme la bouche et respire par le nez. On va venir faire la respiration que j'aimerais t'apprendre au fur et à mesure dans les vidéos. La respiration s'appelle Ujjayi, ça veut dire la respiration victorieuse. Elle est sonore, comme je te le disais, que par le nez. Pour ce faire, on va venir faire de la buée, d'accord? Vraiment, c'est l'image, tu fais de la buée, mais une buée continue, pas une buée rapide, pas vraiment une buée continue. Et on le fait bouche fermée. Ça va te permettre, la respiration, de venir travailler les muscles profonds. Tu le ressens lorsque tu peux mettre la main sur le ventre. Lorsque tu fais, tu ressens bien qu'au niveau de ton centre, ça se contracte. D'accord? Imagine vraiment que tu viens rapprocher le nombril de la colonne vertébrale en même temps que tu fais ça. C'est peut-être beaucoup d'informations, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu le fais, au fil des vidéos, au fil de tes pratiques, ça va venir presque en automatisme, je dirais. On va le faire ensemble. Je te propose 5 respirations. Donc, tu peux fermer les yeux, laisse-toi guider par ma voix. Tu viens vider les poumons, garde la colonne la plus longue possible. Et puis, on est parti. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire Ujjayi. Inspire 4, 3, 2, 1. Et expire Ujjayi. 4. 3, 2, 1, encore, inspire, 4, 3, 2, 1, et expire, Ujjayi. Inspire. Et Ujjayi. Encore une fois, inspire. Et expire. Respire naturellement. Le fait de commencer par des respirations permet de te focaliser sur toi, calmer peut-être un peu le mental. C'est très intéressant de le faire aussi, ça, régulièrement. On va venir ici se mettre face à notre tapis. Hop. Donc, si possible, tu mets les fessiers sur les talons. Si tu sens que c'est difficile, tu restes un petit peu relevé ou tu mets un coussin pour créer de l'espace. On va venir ouvrir les genoux de la largeur des épaules et on va chercher d'abord à étirer notre colonne. Donc, tu vas venir faire la pulpe des doigts et tu vas venir loin devant, étire. Hop, lâche la nuque. Allez, cherche à étirer au maximum. Respire.
Expire Ujjayi. Allez, on en fait deux encore. Expire Ujjayi. Recule les fessiers. Avance les doigts, ressens l'étirement. Expire. On va poser les mains au sol. Lève le regard. Regarde si tes doigts sont bien écartés et les index parallèles. Puis naturellement, on vient lever ici les fessiers. Hop, tu vas garder maintenant le bassin et les genoux alignés. Et même si les mains ne sont pas sous les épaules, ce n'est pas grave. Ok ? On va venir ici, creuser les lombaires, lève le regard, inspire. Et à l'expiration, on roule en partant du bassin et repousse le sol. On repousse le haut du dos. On le fait encore deux fois, inspire. Et expire. Dernière, inspire. Et expire. Cette fois-ci, tu vas ramener les épaules au-dessus de tes mains. Et on va venir faire une inspire, je lève à nouveau. Mais cette fois-ci, à l'expire, tu vas venir repousser et pousse sur tes coups de pied, pousse sur tes bras et creuse le ventre. Décolle les genoux. On repose, inspire. Et expire. Allez, encore trois fois, inspire. Expire. Inspire 2. Expire. Allez, dernière, inspire. Expire. Super. Reviens bien mettre les épaules au-dessus des mains, les index parallèles. On vient ici vraiment bloquer, recule bien les épaules et fais comme si tu voulais serrer tes omoplates sans cambrer. D'accord ? Hop, garde bien le haut du dos super actif, rentre le menton. On va venir tendre les jambes ici, on va venir faire un gainage. Donc pour le gainage, on serre légèrement les fessiers, repousse bien le sol avec les bras, pousse avec ta tête, respire. Que par la poitrine si tu peux, hein. On lutte contre la gravité au niveau de la sangle abdominale. 3, 2, dernière. Et là, tu vas repousser les fessiers vers le plafond et on fait un chien tête en bas. Allez, respire calmement, plie les genoux s'il le faut. Et marche si tu veux dans le chien. Voilà, vraiment vérifie qu'on est dans les alignements de la planche, d'accord? Je suis en planche ici. Hop, je pousse bien. Et je viens à nouveau ici en chien tête en bas. Allez, respire. Plie les genoux s'il le faut, si ça tire trop. Allez, lâche la nuque. Expire. Super. On va venir ici, plier les genoux comme si on faisait un starting block. On lève le regard, on inspire. Et à l'expire, on ramène le genou vers l'avant en position de planche. On repart, on inspire. Expire. On alterne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si tu sens que c'est difficile, tu poses les genoux et tu expires. Pose les genoux loin derrière. Expire. Garde bien les orteils crochetés. Expire. Creuse le ventre. Expire. Expire. Allez, encore une fois, droite et gauche. Hop, et on étire. Relâche la tête. Hop, là on va venir tester notre équilibre. Donc on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Et là tu vas juste détacher la main du sol au milieu et t'essaies de tester. Voilà, si au début tu sens juste que de lever la jambe, même la main au sol, c'est dur, tu restes comme ça. Et petit à petit tu te challenges. Tu vas essayer de
de décoller la main. Repousse bien avec ton bras. Voilà, pousse bien, cherche l'équilibre. Hop, on revient. On étire. Pareil, si tu sens que tu dois faire une petite pause, tu fais une pause. Hein, c'est vraiment toi. Hop, on revient dans un chien tête en bas. Et on fait la même chose. On lève. On sort la main du tapis. Lâche la nuque. Et on teste. Oups là. Je ne vais pas le couper, je laisse. Hein. Je suis là aussi pour apprendre. Toujours un côté plus difficile que l'autre. Hop. Là, j'ai besoin de faire une pause, donc je fais une pause. Hop, tourne un petit peu les poignets. C'est vraiment intéressant cet exercice parce que ça te permet vraiment de te concentrer sur les sensations, sur le centre du corps, de tenir l'équilibre et ça te permet de te challenger. D'accord ? Je trouve que c'est un excellent exercice pour l'ego. Ça calme tout de suite, très très bien. Allez, on revient vers l'avant. Hop ! Et là, on va venir à nouveau en chien tête en bas. D'accord ? Tu vois comment j'ai fait ? Je fais les genoux, j'écarte bien les doigts, index parallèle, je lève mes genoux, je recule, je monte les fesses. Pareil, le but est de ne pas avoir le dos rond ou de ne pas se retrouver les épaules au-dessus des mains. Non, j'éloigne au maximum. Hein. Hop, je déverrouille mes genoux s'il le faut, petit à petit. J'essaierai de tendre mes jambes, mais vraiment essayer d'avoir l'image du ventre qui veut toucher les cuisses. D'accord, le ventre veut toucher mes cuisses. Hop, je lève le regard et je vais amener mon pied droit à l'avant du tapis. Donc, si ça bloque, et souvent ça va bloquer ici, d'accord, c'est pas grave, tu attrapes et tu ramènes, ok? Tu vas voir que petit à petit, tu vas prendre de la souplesse. Au début, hop, on pose le genou, on relâche, on inspire. Allez, mets les mains ensemble, si tu peux, tu auras les pouces. Si c'est difficile, tu regardes devant toi, ok? Sinon, tu essaies de... Challenge, ne retiens pas, ok? Essaie de laisser aller le bassin dans le sol, mais cherche un auto-agrandissement. Fais deux respirations. Super, on va venir mettre la main au sol. Hop. Les doigts bien écartés. On va venir ici crocheter. D'accord? On pousse dans le talon arrière. Pousse. Hop. Et si tu te sens bien, tu restes. Sinon, tu reposes le genou. Ok? On pousse, on ouvre et on monte le bras. Ici, en fait, on essaie de ne pas tirer le bras vers l'arrière, mais vers le plafond. Et je baisse les épaules, je resserre mes omoplates. Ressens que le dos s'active. Et respire. Ne mets pas l'énergie dans la main au sol, mais cherche vraiment à étirer, à monter. L'énergie monte. Pour deux. Super. On revient ici. Hop. On va venir passer sur la pulpe des doigts. Tac. Ici. Et on va faire un petit pont vers l'avant. Là, on va garder le genou plié et on va plier l'autre genou. Et on va venir ici travailler nos jambes. Inspire et j'expire, je tends. Inspire en bas et expire, je tends. Allez. Et expire. Hop, c'est difficile si tu sens que tu n'as pas assez de souplesse et que tu n'arrives pas à tendre plus, c'est pas grave. Tu restes ici fléchi. Le but, c'est que tu travailles ici la force de la cuisse, des fessiers et on essaie quand même d'étirer, ok? Petit à petit, tu vas t'assouplir. J'ai perdu, je ne sais plus combien on en fait. Expire. Expire. Maintenant, je vais t'en faire 10. Super.
On vient ici poser le pied. On va le faire en débutant, d'accord? On se redresse. Hop. Et on va venir ici mettre les mains. Et on va faire notre gaille étroit. Ok? On pousse. Hop. Et on tâche ici. On baisse les épaules. Pied flex. Tu peux lever le regard. On pose loin derrière. Hop. Et on va venir lever les bras. Allez, pousse. On va déverrouiller. On essaie de pas cambrer. On va déverrouiller légèrement. Allez, tire. Garde bien le genou au-dessus. Recule ton pied arrière. Pour sentir vraiment, on essaie d'avoir un genou à 90 degrés pour la force. Tu peux ouvrir les bras ou rapprocher les mains. On serre les abdos. Super. On relâche. On va venir à l'avant. Et en fait, on va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Donc, on est à l'avant. En fait, je vais faire la même chose, mais je vais me situer de l'autre côté. Toi, tu peux rester comme dans cette position. Donc, on était comme ceci. On inspire. On plie les genoux. Hop. Et on relâche. D'accord. On va reculer dans les mains. Sol, on recule une jambe après l'autre, on s'étire. On respire calmement et on va faire pareil avec le pied gauche. Donc pied gauche entre les mains. Hop, on pose le genou, on relâche le coude pied, on inspire. On met les mains ensemble. Respire calmement. Lève le regard, 5 respirations. Super, on relâche, hop, comme tout à l'heure, main au sol, les doigts bien écartés, d'accord? On crochète les orteils du pied arrière, on inspire, on expire, on pousse un talon. Super, si tu te sens bien, tu restes, sinon tu reposes le genou. Hop, on ouvre, on monte. Allez, une torsion, pareil, je baisse mes épaules, je regarde la main, je mets l'énergie en haut. On n'appuie pas sur la main, on ne met pas le poids ici. On pousse bien avec son bras au sol. Repousse, repousse. Allez, de l'énergie. Allez, creuse le ventre à l'expire. Tu peux fermer les yeux même. Pour deux. Super, expire et tu relâches. Comme tout à l'heure, attends, hop, je vais reculer un petit peu. Comme tout à l'heure, on revient vers l'avant. Hop, on plie. Et on expire, on tend. Inspire en bas, expire en haut. Tu peux passer sur la pulpe des doigts. Allez, et 4. Et 5. Je crois qu'il reste. Parfait. On repose le pied à côté. On redresse. Hop. On met les mains au centre de la poitrine. On inspire. On grandit. On lève notre genou. Et à l'expire, on pousse un mur imaginaire guerrier 3. Allez, on pousse. Hop. On reprend. Et expire. Voilà, on est tous les jours différents, hein, faut accepter. Dernière. Plie la jambe de terre, repousse loin derrière les orteils. Stabilise,
ça, les abdos. Voilà, trouve ici ton ancrage. Plie le genou et enlève les bras. Inspire. Et j'expire. J'avale mes côtes. Pareil, tu peux fermer les yeux. C'est vraiment de te connecter à ton corps, à tes sensations. Pour deux. Parfait. Expire, je viens au sol. Hop, on va faire une planche. On va poser les genoux et on relâche ici. On étire, pose le front. Hop, ramène les mains au niveau des genoux et on se redresse. On va venir faire encore une petite série pour travailler notre ouverture au niveau de notre dos et de la poitrine. Ok ? Et après, on aura fini et ça donne de l'énergie. Hop. Alors, on va venir ici garder les genoux la largeur de nos épaules et on va venir faire un petit boudin avec notre tapis. On va venir mettre nos genoux. Hop. Donc, largeur toujours du bassin. Ok. Coup de pied relâché. Si tu as des crampes, tu viens crocheter. Et simplement, on va venir ouvrir les épaules. D'accord. Et on cherche à toujours à grandir. Tout part de la poitrine. Ok. Donc, on peut mettre les mains au niveau du sacrum, l'os plat ici. On pousse bien le bassin vers l'avant. Et on grandit. On inspire. Et on expire. Allez. Je pousse le bassin vers l'avant, je peux rentrer le menton. Si on se sent bien, on essaie d'attraper les talons. Si c'est difficile, on revient. On revient en rentrant le menton. Hop, on relâche. Fessiers sur les talons. On relâche. Hop, pause. On détend le dos. Respire calmement. Hop, et relâche. On va à nouveau enlever. Toujours dans notre travail de dos, on va venir simplement se mettre au sol. Hop, ici. Et on va venir travailler la posture du cobra. Ok ? Donc, dans cette posture, on va venir coller nos jambes. Hop. Les mains se situent au niveau de la poitrine, presque sous les épaules. Doigts écartés comme quand on fait chaturanga ou la planche. Serre les fessiers. À l'inspiration, on va chercher à lever la poitrine en s'aidant de notre dos. D'accord ? Pour tester si c'est bien ton dos, tu décolles les mains. Si tu sens que tu retombes, c'est que tu as levé la poitrine en t'aidant de tes mains. D'accord ? On essaie vraiment d'activer que les muscles du dos. Hein, et c'est normal. D'accord ? N'aie pas peur parce que tu sens ici que ça se contracte et tu as peut-être des petites peurs. C'est normal, on est en train de contracter tous les muscles du dos, d'accord? On est en train de les travailler, donc c'est normal d'avoir mal au creux ici, ok? Pense à serrer les fessiers et on est parti. On va faire 5 respirations, ok? On est parti, j'inspire. Et je reste. Tu peux fermer les yeux, les épaules vers l'arrière, inspire. Expire. 3, 4, et 5. Relâche. Pose les mains l'une sur l'autre, pose le front, détends les épaules. On relâche. Mets les mains à la poitrine, lève les fessiers. On vient repousser le sol. Et on vient étirer notre dos. Hop.
Super, ça fait du bien. On va venir ici s'installer face en tailleur. On va faire un travail au niveau de la colonne vertébrale. On recule bien la chair des os. Voilà, peu importe le tailleur, on va venir mettre une main derrière le genou ici. Pince à grandir et on vient ici tourner doucement. Inspire, étire. Expire, tourne. Encore, inspire, étire. Expire, tourne. Inspire, expire, tu reviens et on change. La main à l'extérieur, la main dans le dos, inspire, expire. Expire. Inspire. Expire, reviens. Super. Monte les bras, crochette, étire. Hop, relâche. On passe sur le côté. Hop. On va venir une jambe après l'autre. Hop, se redresser. À nouveau ici, on va venir faire une extension. Ouvre les pieds. Monte les deux bras. Ne cherche pas à cambrer. Crochette, étire entre le menton. Mets de profil. Super. Garde un bras en l'air et viens juste ici. Ne cherche pas à pencher sur le côté. Cherche à grandir le plafond. Ça fait du bien de l'autre côté. Grandis, grandis. Garde bien le poids sur les deux pieds. Inspire. Expire, relâche. Super. Ben, j'espère que cette petite routine t'a plu. Partage-la autour de toi. Partage la chaîne. Surtout, voilà, si tu veux suivre les vidéos de la chaîne, je vais tâcher d'être plus régulière. Vraiment, c'est mon objectif de cette rentrée. Abonne-toi et active la petite clochette pour recevoir les notifications. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très bientôt.